Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet dans la station spatiale pour 6 mois à faire des expériences scientifiques qu'on peut faire uniquement ici parce que sur Terre elles sont impossibles à faire et c'est ici qu'on découvre les choses qu'on espère vont faire avancer la science. Et voilà, le reste du temps on entretient la station, on la répare, parfois on sort avec nos scaphandres et puis dimanche quand on a le temps on prend des photos que j'aime bien partager sur Instagram. Donc voilà, 6 mois d'une aventure super cool, j'espère que ça vous intéresse et que vous aurez à cœur de suivre tout ça. Ok, là je vais vous montrer ma chambre à coucher. Alors il y en a une de chaque côté, une au plafond et une au sol. Moi la mienne c'est celle du sol. Je vous montre, c'est pas très grand, c'est de la taille d'une cabine téléphonique. Même si les plus jeunes n'auront jamais vu de cabine téléphonique. Voilà. C'est ici que je passe mes nuits accroché au mur. Super confortable de dormir en apesanteur. Ok, je vais vous montrer le laboratoire, le cœur de la station. On peut faire des 360. Ici on a Sergueï qui s'entraîne à la course à pied. Et à droite, on a Shane et Peggy qui travaillent sur les scaphandres. On va pas les déranger. Ici c'est la pièce la plus importante, c'est la cuisine. C'est ici qu'on partage nos repas, donc ouais, aujourd'hui on a du chocolat. Parfois on a des fruits frais, on a nos sauces, on a des tortillas qui nous permettent de servir d'assiettes en fait et de pain et de tout à la fois, c'est super pratique surtout pour les desserts. Et on a même de la vache Kelly, version américaine. Voilà tout ce qu'il faut dans l'espace. Alors on va tourner dans le laboratoire japonais, module le plus grand de la station je pense, super bien organisé, on a tout pour faire de la recherche, matériaux, la recherche physiologique, ici c'est un frigo, enfin un freezer à moins 80 degrés où on peut mettre nos expériences scientifiques, on a même un sas pour faire sortir des expériences, une station pour piloter le bras robotique, là-haut on a un grenier où on entrepose tous nos équipements et on va aller regarder quel temps il fait par la fenêtre. Et voilà, dans l'espace il fait toujours beau. C'est là que j'entrepose mon saxophone quand ça m'arrive d'en jouer le dimanche, bien tranquillement, pour pas déranger mes collègues. Plutôt cool comme manière de se déplacer. Ici, c'est le laboratoire européen Columbus. C'est là que je réalise la plupart de mes expériences pour l'Agence spatiale européenne. On a des scaphandres entreposés pour l'instant parce qu'on est en pleine période de sortie extravéhiculaire. J'ai mon drapeau là-bas au bout. C'est ici qu'on fait les prises de sang et les analyses sur nous-mêmes. Science des matériaux, encore une fois, physique des fluides. Une serre pour faire pousser des plantes en microgravité. Laboratoire de biologie, physiologie, il y a tout ce qu'il faut. Même mon avion d'Air France. Alors on va passer au-dessus de Sergueï. Voilà, une vue dans les toilettes de la station spatiale. Et ici, c'est la cupola, c'est d'ici que je prends la plupart de mes photos. Malheureusement il fait nuit mais on voit
Le coucher de soleil et peut-être les lumières des villes au sol. C'est une fenêtre panoramique à 360 degrés qui nous sert pour les opérations de robotique notamment, mais aussi simplement pour regarder la Terre. Ici, c'est notre Soyouz qui nous a amené depuis Baïkonour. Et dans le fond d'écran sur la Terre, on voit les orages. Shane et Peggy qui travaillent sur les scaphandres. Don't want to disturb, I'm just taking a few shots. Looking good. Ok, j'espère que la visite vous a plu et rendez-vous sur Instagram pour en voir un peu plus.